Mes oreilles ne m'ont jamais trahi. Arrêtez-le! Regardez ça! Même les pots de chambre sont en dehors! À mort, les spoilers! On dirait que tu as causé une belle agitation. Que veux-tu que je te dise? Tu as toujours eu une mauvaise influence. C'est toi qui déteins sur moi. Pas normal. Hé, toi! Reste là! Pire que la tortue de la fable! Là-bas! Je prends l'argenterie! Alors, content d'être venu, hein? Quelqu'un a tué Saint-Pierre! Morfo est mort! Qu'était-ce? Rayon! Que s'est-il passé? Mon Dieu! Une minute.
Arnaud. Tu es dans un sale état. Et toi, tu es venu me demander quelque chose. Comment tu peux dire ça après avoir disparu de cette façon? Tu m'as bien fait comprendre que tu n'avais plus besoin de mes services. Non, je t'interdis de me parler comme ça. Que veux-tu que je te dise, Élise? Pardonne-moi de ne pas t'avoir laissé mourir? Désolé de tenir davantage à toi qu'à la mort de Germain? Je croyais qu'on désirait la même chose. Ce que je désirais, c'était toi. Je n'oublierai jamais que c'est ma négligence qui a causé la mort de ton père. Tout ce que j'ai fait depuis, c'était pour réparer cette erreur et éviter qu'elle se reproduise. Tu n'es sûrement pas venu ici sans raison. Alors que veux-tu? Paris est en train de se déchirer. Germain a conduit la révolution dans les abîmes de la décadence. Les guillotines opèrent quasiment jour et nuit. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? L'homme que j'aime n'aurait jamais posé cette question. Tu vaux mieux que ça. Je rentre à Paris. Tu viens avec moi? Je dois d'abord régler une dernière chose. Très bien. Je vais nous trouver un moyen de transport. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre.